Choose your character! Oh, bonjour à toutes et à tous, bonsoir! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 7 sur Pokémon Emerald. La dernière fois, on a combattu un champion de l'arène. Il m'a défoncé 3 Pokémon, c'était compliqué. On a dû se déplacer dans une grotte. On a enfin donné la lettre à Pierre. Et maintenant, on est à Poivre-Sel. Une mignonne petite ville portuaire où on peut faire des combats Pokémon aléatoires. J'ai essayé, alors pour vous expliquer en fait, il vous donne 3 Pokémon, enfin, vous donne des Pokémon, 6 Pokémon, vous devez en choisir 3 sur les 6 et voilà, vous vous battez avec eux, avec ces Pokémon là qui sont pas les vôtres, et vous pouvez gagner un prix si vous gagnez, voilà. Et j'ai perdu dès le premier combat parce que ils ont triché, voilà, je dis tout simplement. Alors, maintenant il faut aller voir le capitaine Poupée pour lui donner le pack d'Evon. Et ça c'est quoi ça? La mer infinie sur toutes les formes de vie, musée Orso... Ah, c'est le musée océanographique, je n'y avais pas été encore. Alors attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait des Latim Aqua en haut là tout à l'heure, ou en bas. En bas ou en haut? En bas. En haut. En haut? En bas. En bas? En haut. C'était ici là. On les a vus la dernière fois. C'était pas là. Ils ont disparu, mais ils étaient... je les avais vus sur la route. Je suis pas fou quand même. Je suis fou. De toute façon, ils ont disparu pendant que je me promenais. Ce qui est fort possible. Ah bah ils sont peut-être disparu pendant que je me promenais sur la carte. Bon bref, on les voyait loin, j'ai fait quelques combats dresseurs et j'ai gagné du soda en faisant les combats dresseurs du soda pour les Pokémon qui redonnent 60 PV aux Pokémon. Qui sont toutes sympathiques, hein, c'est sympa. Hein. Ah ouais, ils étaient là mais ils ont disparu les de la Team Aqua. Pourquoi ils ont disparu? Ah, ils sont tous là. Bienvenue au musée de la narratique. L'entrée coûte 50 Poké-Dollars. Non. Mais je veux pas payer. Non, moi j'y vais pas. Voilà, j'y vais pas. Et en tout cas, il y a la Team Aqua qui est ici, apparemment. Et ça va pas le faire. Alors attendez, je les ai vus qu'ils étaient en haut aussi. Là, ils sont là. Et l'action de la Team Aqua rend le sourire à tout le monde. C'est la première fois que le membre de Tigua. Je vais aller à la Poivre-Sel. Y'a qui la Tigua? Eh, parce que je peux pas aller là, j'ai besoin d'un vélo pour aller ici. Parce que c'est une piste cyclable. Comme vous pouvez le voir avec cette personne en haut à droite qui a un vélo. Bah du coup faut que j'aille absolument au musée océanographique. Oh. Gna 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 gna. Mais je veux pas payer. Putain bon allez, ça commence bien. Premier épisode où je paye. 50 Poké-Dollars, c'est de la. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis le membre de la Team Aqua et tu es déjà fondé. Tu t'es reposé, tu te souviens, c'était dans la tunnel du mini-région. Tiens, prends-moi tu pardonne-moi. Bah d'accord, bah sympa, merci. C'était sur la petite cam, moi j'espère ne jamais te retrouver. Mais ok. Ok, alors, on peut voler l'objet tenu par l'ennemi pendant l'attaque. C'est une attaque de type ténèbre. Ouais, bah attendez, pour l'instant, on n'y touche pas. Si c'était imbécile, il n'avait pas les choix, mais en ville, on n'en serait pas là. Ok. Alors, ils m'attaquent pas, ils sont gentils finalement. Devinette sur la mer 1. Pourquoi l'eau de mer est-elle bleue? Les rayons de la lumière sont composés de nombreuses couleurs. La plupart d'entre eux perdent leur couleur lorsqu'ils traversent l'eau. Mais les rayons bleus, eux, sont réfléchis pendant la mer bleue. Mais je sais pas, moi j'ai une mer grise par chez moi. Devinez sur la mer 2. Pourquoi l'eau de mer est-elle salée? L'eau de mer contient du sel, se dissout sous forme d'ions, sodium et chlorure. Ces ions proviennent des rochers et la pluie les transporte dans la mer. La concentration en sel dissout rend la mer salée. Oh, on apprend des choses sur la chaîne. Alors, quelle est la plus vaste? Quelle est la plus vaste? La mer ou la terre? La mer couvre environ 70% de la planète et de la terre. Le reste... La mer est donc au moins deux fois plus basse que la Terre. Bon, ça c'est pas compliqué, on appelle la planète bleue pas pour rien. Hein. En mangeant la trace plus basse que la Terre en vert. Peut-être est-ce pour le mesurer, on peut faire quelque chose. D'accord. Les débris de toute forme de vie sont au fur et à mesure ramassés au fond de la mer formant des couches sédimentaires. Ah, tu m'étonnes que la Team Aqua ils sont là. Ah, c'est leur kiff ça. Oh, il y a une fille Team Aqua, attends, je veux lui parler.
Nous, la team Aqua, nous existons pour le bien de tous. Ouais, écoute, avoir de l'eau, de la mer partout. Vous devez sûrement aimer le film Waterworld. Hein. Ah, et ça va être un de vos kiffs. Oui, si tu cherches poupée, c'est bien moi. Ah, ça doit être ce que j'avais commandé à Monsieur Rochard de Devon. Merci, formidable. Nous allons désormais pouvoir préparer l'expédition. Oh, mais il y a la team Aqua qui arrive. Hé, 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 passez vite, on va prendre des pièces. Hein, quoi? Qui êtes-vous, jeunes gens? On est la team Aqua. Notre chef veut ses pièces. Ferme-la et balance-les. Parce que je suis un méchant. Je suis méchant, les méchants sont méchants. Ouais, combat de Pokémon. Normalement, ils ont que des Pokémon. Oh, parce que c'est des cons de la team Aqua. Ils prendront que des Pokémon. Oh, et du coup, moi, j'ai directement pris 4 au début pour les défoncer. Qu'il est au niveau 18. Alors, vas-y, 4, défonce-les. Excusez-moi, je suis trop un petit peu enjoué. Oh, par contre, le Caravana, il est très très beau. Ce Pokémon, j'aime bien. C'est la Piranha, comme si vous l'avez pas vu. Oh, oui. Voilà, c'est tout. C'est triste des fois. Hein. Des fois je me fais défoncer par des mecs de l'arène et la team Aqua. Bon, après c'est normal. C'est dans le script. Oh mon dieu, quel désastre! Le chef va être furieux. Oh, l'espèce de manière, t'as sparé ça? Putain, je sais faire que deux voix. C'est tout. Mon maximum est à son paroxysme. Paroxysme. Ah, il a deux Pokémon! On applaudit! Ah, il a le Surrupti! On applaudit doublement! Mais monsieur, par contre, c'est un Pokémon poison et. Pas si je devrais prendre ce Pokémon. On va prendre Tarsalopette. Disons que ça présente poison et vol ou juste poison, je sais plus. Ouh. Ah oui, et en plus il me fait une attaque ténèbre comme ça. Hop là. Oui, j'ai gagné une nouvelle attaque pour Tarsalopette Ventardus. Je vais quand même la donner gratos, alors j'ai utilisé. Voilà, l'utiliser pour voir ce que ça fait. Enfin, ce que ça fait, je sais ce que ça fait, mais voir l'animation que ça fait. Ah! Ah, mais ça le confus, d'accord, ok. D'accord, il est confus. Est-ce que tu peux te faire mal pour que j'ai vite de t'attaquer? Oh oui! Oh bah merci! Oh bah c'est exact. Oh bah, j'avais tout prévu, moi je suis un dresseur professionnel, bien évidemment. Ah, Carvana va être envoyé. On change de Pokémon, on reprend 4. 4! À l'attaque! Tu vas pouvoir manger des poissons, du poisson. Ouais, il adore ça. Oh, si vous saviez combien de tranches de saumon fumé il a bouffé pendant Noël. Oui, je dis tout. Je dis tout, je m'en fous, je raconte tout. Pour Morphal. Mais les chats, dès que c'est un truc de poisson, c'est fou quand même. Et voilà. De Carvana, par contre, on pourrait changer un peu de Pokémon. De... Oh. Oh, ça c'est fru. Ah. Ah ça, ça vous frustre pas? Dites-moi dans les commentaires quand votre Pokémon, il a un pixel de beauté niveau. Ça m'énerve. Quoi? Moi aussi j'ai perdu. Et maintenant, si on ne récupère pas les pièces, on est fait. J'avais pas prévu des trucs, je n'ai pas un mouflet qui se mêle de tout. Oula, attention, lui il est barbu, c'est le chef. Vous allez voir pourquoi vous mettez ton besoin à récupérer les pièces et le constat que vous êtes retenu par un simple mioche. Nous sommes la team Aqua et nous adorons la mer. J'adore aussi ta mère, tout en passant. Très joli. Moi, je suis Arthur, le pêcheur de chaussures, ça tombe bien, le leader de la team Aqua. Dis-moi pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Attends un peu, appartiendras-tu à la team Magma? Non, ça peut pas être possible, tu dois pas leur aller forme. Les Pokémon, les gens, toute la vie dépend de la mer. C'est pourquoi il y avait le premier de la team Aqua, la chanson de la mer. Nous défendons une noble cause, tu ne crois pas? Oh, ça va être dur de faire cette voix-là tout le temps. Oh! Ah oui, tu es un jeune pour comprendre. Ça ne félicite pas les choses et tu ne comprends pas les vidéos. Mais je te parle bien, ne t'avise pas de te mêler encore dans nos histoires. Les conséquences seraient terribles. N'oublie pas ce que je sais, n'est-ce pas? Ouh! Aïe, ma gorge! Ah oui, tu es Snake! En tout cas, que de tension! Merci de nous avoir sauvés! Oui, j'avais presque oublié que tu avais apporté les pièces de Devon. Putain, le mec change 3 fois de voix. Je sais plus quelle voix je fais, moi, il y a trop de persos. Zou, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut qu'on reprépare cette expédition sous-marine au plus vite. Merci encore, mais il faut que j'y aille maintenant. N'hésite pas à jeter un œil ici si tu en as envie. Ah, je peux voler des trucs, ça veut dire?
Ah, ça me guérit automatiquement mes Pokémon, c'est gentil ça. Je peux voler le bateau là, l'océan. Un pic du luxueux paquebot qui fait le tour de la planète. Je peux aller sur votre site internet, regarder vos sites porno, non. Vos historiques navigation, oh, je peux pas. Bon bah, on y go. Ah, et tout le monde est parti. Bonne visite. Mais je viens de sortir, je sors. Vous êtes... Oh bah, il y a Johnny Cage qui m'appelle. Ah, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, non? Est-ce que je me suis déjà présenté? Je m'appelle Scott. Je viens de voir la team Aqua partir d'ici en trombe. Laisse-moi deviner, c'est toi qui les as fait fuir, petit galopin. Peut-être que ce dressage... Très bien, je pense que nous allons devenir amis. Échangeons de numéro pour les enregistrer dans le Pokénap. Monsieur, je vous connais pas. Non, j'ai... Les enfants n'enregistraient pas les numéros des inconnus comme ça qui vous abordent. J'aimerais bien rester un peu avec toi, mais je veux aussi garder un œil sur les autres gens talentueux. Alors je vais visiter les autres villes pendant que quelques temps encore. À bientôt, Snake. D'accord. Et je peux faire quoi là? Je peux monter. Ah, je peux remonter là-haut? Ah! Un peu là. Oh bah c'est le professeur Seiko. J'avais fait quelle voix, putain. Oh Snake, content de te voir ici. Mais où on peut bien se trouver Florin? Oh je vois, vous ne faites pas la route ensemble. C'est comme vous préférez. Il paraît que tu as la fonction match phone installée sur ton Pokédex, alors je devrais t'enregistrer sur le mien. Comme ça je pourrais évaluer ton Pokédex, même si nous sommes loin. Et comme ça te tenir. Savoir où tu te trouves à chaque instant. Ah, pardon. Non, je t'espionne pas. Snake, s'il te plaît, garde un œil sur Florin. Bon, je ferai bien d'y aller. À bientôt, Snake. Monsieur, apparaît disparaît. Oh, c'est quoi ça? Route 110, route 103. Ah! On m'attaque, on me prend gangbang. Je voudrais aller partout pour dire de un Pokémon. Oh, il est plus beau que le Pokémon que. Oh putain, comment ils me prennent ensemble. Ah oui, c'est des fans et... Ah oui, mais vous attaquez en famille comme ça, les gens. Vous attendez là depuis des heures avec votre bébé dans la main. Attendez que les gens qui passent. Ah oui, d'accord. Possipi les Gapi. Ah oui. Ah, mais j'ai un Pokémon planté haut à l'ombré. Le cas, ça pourrait peut-être passer. C'est vrai. On va faire coup, coup, coup. Mais par contre, attends. Galekid il est acier et roche. Ah ouais. L'acier, voyons voir. Attendez, je sais plus. L'acier. Contre l'électricité, ça va? Oui, c'est bon, on va prendre Galekid parce que je vois pas. Ouais, on va prendre Galekid. Je pense que Katz il verrait peut-être quand même la plante contre l'électricité. C'est bon quand même. Coup de main, mais sous les choux. Ok, merci. Merci d'avoir fait des attaques dans le vent. Ah, il se soigne, ok. Il utilise une B au rang, ok, d'accord. Bah vas-y, hein. J'en fais attaque, j'en fais ça. Et moi, je fais griffe acier sur celui-là. Oh, ennemi, après, aidez. Oh, ils sont trop mignons, ils s'aident. Mais ça marche pas, ils s'aident, mais ça marche pas. Oh, il reste un petit bébé. Allez, griffe d'acier, vas-y, Kalekid. Ah, c'est pas très efficace. Bah du coup on va utiliser la roche, hein. Oui j'aurais dû faire ça depuis le début, d'utiliser l'acier. Attends, moi je fais du attaque normalement, voilà. C'est moi qui attaque en premier, normalement j'ai fait bien attaque. Oui, 4 niveaux 10, t'as bientôt envie de nous voir. Ah oui, ils ont que des Dagapi, des Opposipi. Ok d'accord, c'est des fans vraiment de Pikachu et voilà, ok, de tout ce qui lui ressemble, ok. Lui aussi va soigner. Au secours. Bon. Hop. Hop. Coup de boue. Sur celui-là. Vas-y. J'aime bien cette petite, par contre, animation. J'avoue que c'est mignon. Oula, gage éclair. Ah, il m'a pas arrivé, salopio. Ah, putain. Oh, saloperie. Ah, j'aime pas quand ils font ça.
Allez, 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 là. On va pas perdre qu'on des... Oh là, il va faire une attaque. On va pas perdre qu'on des copies de Mickey. Hein. Des fausses copies de Mickey en jaune. On va faire une attaque pour être sûr de finir celui-là. Et on va faire tout bon. Voilà, 6, s'il vous plaît. Oh, ils en ont encore, putain. Oh, oh, en tout cas, on vous en aura à voir de différents Pokémon avec eux, hein. En tout cas, vous en aurez vu deux différents. Au secours. Si je fais ton broche. Allez, là. Il reste un point de vie. Allez, allez. Et il rate son... Mais bien sûr, il rate son attaque. Ah bah oui, lui, c'est... Ok. Vas-y, hein. Allez, vas-y, vas-y. Tom Roche, vas-y. Possible, ça. Oh, 4 évite l'attaque, bien joué 4. Oh, Galekid de 6 évite l'attaque. Ah, le tombe broche qui, enfin. Ça n'a même pas suffi, moi. Hop. Et coup de boue sur lui. Les attaques sont pas assez puissantes aussi avec Galekid, si ça se passe. Là, on finit celui-là avec, avec celle-là. Là, il va ramener, ramener un autre Ozipi, un truc comme ça. Oh, Galekid est parasite. Ah non, 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 c'est bon, c'est les derniers. Super efficace, mais c'est pas assez puissant pour le finir. Ouais, bah vas-y, ils ont tous une petite baie de toute façon. Hein. J'ai compris. Hein. Un petit coup de boule, vas-y, un petit coup de boule. Il copie, il me copie quand même un peu. Allez, un coup de boule à la Zidane. Voilà, c'est l'attaque à la Zidane. C'est dommage qu'on ne peut pas renommer les attaques. J'aurais mis l'attaque à la Zidane. Ça, ça n'a même pas fait monter de niveau Galekid, je suis déçu. Oh non, je vais pas accepter ça. N'as-tu donc aucune compassion? Oh, vous étiez riche, c'était bien. Après, ils ont... C'est pas comme ça que je pourrais frimer avec les Pokémon. Je te demanderai ton avis aussi souvent que possible. Ok, ok, boy. Votre monsieur, votre femme a demandé un ami en contact quand même devant vous. Ça vous jette pas? Ils sont pas les steaks, hein. Devant leurs enfants aussi, je le rappelle. Salut Snake, c'est Julien. J'ai essayé de me battre contre un autre soeur, mais j'ai perdu. Je suis déçu, tu sais. Allez, salut. Pff. Ok, bah merci monsieur, merci, au revoir. J'ai pas le beau, alors je me balade sur la route au-dessus. Allez, il va falloir acheter un vélo. 3 pas et 2 pas pour atteindre la maison des pièges. 3 pas à droite et 2 pas en haut. Oh, on te regarde. Hein, Gris, comment as-tu su que je me cachais derrière cette table? Tu l'as l'œil. Prends garde, car je suis l'homme le plus mystérieux de toutes les régions de Wayne. On m'appelle le maître des pièges. Enchanté de te rencontrer. Toi, tu viens de relever les défis de ma maison des pièges, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es ici, hein. J'en suis sûr. Très bien, tu peux participer. Entre par le chemin et par toi au plus grand des mystères. Ouais, d'ailleurs. Bon, écoute, il y a un trou derrière le parchemin. Voulez-vous rentrer? Bah, allons-y. Rentrons dans les trous. J'adore rentrer dans les trous. Ok. Pas courir. Ah, d'accord, c'est des trucs à attaquer. Ok. Grâce à Coop, ce que je viens d'apprendre, je vais faire la force de ma lame. Attends, ta lame? Non, c'est ton Pokémon normalement qui utilise Coop. Tu triches en fait, tu dis. Oh, vous avez une mijupe. Tu triches, tu utilises un katana. C'est de la triche. Ah, mystère, par contre, c'est un Pokémon poison et plomb. On va changer tout de suite et on va prendre Tarsolopette. Attaque! Chlorophylle. Il a copié quoi? Oh, oh non! Oh, je vais t'empoisonner. Oh non!
Est-ce que tu peux essayer de me tuer très très vite? Ah, maintenant il va rester le niveau 16. Ah, il vole de la vie. Bah oui, bah oui, bah vas-y, je suis en poison. Par contre, c'est dommage que ça te donne pas le poison que j'ai dans le sang quand même. On va essayer d'après de le soigner. Oh putain, la pire. Allez, allez. Aïe, 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 aïe. Après, je lui donnerai un petit soda. Je soignerai, je lui donnerai un petit soda. On tirera le poison. Bon, allez. Pourquoi tu as l'air si sérieux? Alors, attendez, parce qu'il faut absolument que je soigne le tarsalopet. Parce que sinon, à chaque pas, il va baisser de vie. J'avais pas une B. Donne le poison. Utiliser. Voilà, au moins ça va être utile. Et on va donner une petite un petit soda. Un petit soda cool. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. 29 points, j'aurais peut-être pu utiliser juste une petite potion. Oh, bravo, ce n'est pas t'as fait utiliser ça comme de la merde. Ceci est. Bon, bon, on peut dire. Vas-y, mais on peut dire que c'est un fail. Alors attends. Vas-y, vas-y, hein, on coupe tout ce qui bouge, tout ce qui dépasse. Putain, allez, c'est comme à la partie Bisba. On coupe tout ce qui dépasse. Oh, pardon, c'est dégueulasse. Il y avait peut-être un objet caché à gauche. Je crois pas. Comme ça, au moins, on voit plein de fois 4 s'apparaître. Putain, est-ce qu'il faut que j'affronte tout le monde aussi, ça serait bien. Il y a une Pokéball là, allez, prendre. Peut-être que s'il faut aller là en plus. Mais qui est le maître des pièges? C'est ta mère. Pardon, excusez-moi. Oh, ça parle mal. Beaucoup de filles en mini-jupe quand même dans le truc du monsieur au piège là. Monsieur, vous avez des petites écolières dans un labyrinthe de pièges? Je vais rien dire, mais c'est suspect quand même. Allez, on lui coupe la queue au pauvre petit chaton. Bon, en parlant de la queue, il utilise. Hop, il utilise l'attaque à moi. Voilà, comme ça, il n'aura pas le temps d'attaquer. Allez. Oui, niveau 20. C'est bon, ça. Ah, c'est bon. Balignon va être envoyé. Ok, c'est un Pokémon poison et plant, ou juste poison, je ne sais plus. Ouais, Tarsalopet, vas-y, 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 vas-y. En plus, ce qui est chiant avec ces Pokémon-là, les Balignons, c'est que si vous faites une attaque physique, ils peuvent soit vous paralyser, soit vous endormir, soit vous empoisonner. Je crois que c'est l'un des trois. Ouais, c'est ça, ils ont post-sport comme compétence, comme vient de copier Tarsalopet en compétence passive. Du coup, c'est super chiant. Normalement, faut que faire des attaques à distance. Normalement, le choc mental, c'est une attaque à distance. Oui, parce que ça va. Aïe. J'ai dit. Ah, il était pas plus poison, il était plus plante. Ouais, ça a pas l'air d'être efficace. Du coup, il écoute peut-être plante. Bah, il... C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas trop de trucs efficaces pour les plantes. Ouais, j'ai pas grand chose hein, contre les plantes. J'ai plus des insectes ou quoi contre les plantes. Oh oui, Tarsalopet monte de niveau aussi, ça c'est bien. Maril va être envoyé. Voulez-vous changer de Pokémon? Oui. Du coup, Maril va être envoyé, c'est un Pokémon où. Il faudrait qu'un jour j'augmente crétin, mais genre, le crétin j'ai vraiment envie de le changer en fait. Allez, Katz, go, vas-y. Katz, c'est le héros de cet épisode. Et l'épisode précédemment aussi, je crois, on l'a vu aussi beaucoup. C'est pas le leader de la chaîne pour rien. Allez, il va tout défoncer. C'est super efficace. Oh, que deux fois, c'est dommage. Ah, vas-y, arrose-moi, ça va me faire du bien. Ah, c'est tout. Ouais, allez, ça c'est fait.
Tu as gagné parce que j'étais perdu dans mes pensées. Bah ouais, bah concentre-toi un peu. Qu'est-ce que t'étais pendé par quoi? J'ai trouvé un parchemin. Mais c'est le code secret sur le parchemin. Ah ouais. Genre, oh, ça se voit que c'est un jeu vidéo parce que genre moi je retiens ce qui est écrit sur un parchemin. Attends, on va juste couper ça pour faire venir ce dresseur là. Parce que je suppose que la sortie c'est par là. Je me suis retrouvé dans une étrange maison brisée. Attends, mais tu peux pas tomber par hasard dessus parce qu'il faut que tu rentres par le truc du parchemin. Le monsieur t'a accueilli et il t'a dit que c'était une maison des pièges et par contre, je suis en train d'augmenter que 4 là au niveau des XP. Mais bon, c'est pas grave. Ça, voilà. En même temps, il casse, il défonce tout. Ah, il va être envoyé zigzagton. Voulez-vous changer de Pokémon? Oui. Attendez, je vérifie un truc. L'acier. Tech. Ah, le normal, ça fait un peu mal à l'acier. Enfin, ça fait pas beaucoup, mais un peu. Prendre Galikid. Bon, allez, vas-y, on prend Galikid. Si, j'ai envie qu'il grandisse, il est trop mignon. Ah, oh, oui, mais il est paralysé. Bon, attends, on va le déparalyser. J'ai peut-être bien dans mon sac un truc. Antipara, ce n'est pas qu'il est paralysé. Vas-y, allez. Voilà. En plus, il me fait mimique. Bon, vas-y. C'est pas comme s'il n'avait rien fait. Bon, ça me baisse ma défense, certes. Mais... Et non, mais... Et non, oui, je sais qu'on s'enfuit pas, c'est moi qui bug. Pardon, excusez-moi. Pas possible. Grip d'acier. Grip d'acier, ça des fois, ça a des chances d'augmenter mon attaque ou ma défense aussi. J'aime bien l'animation, elle est très stylée, je trouve. T'as l'impression que tu veux arracher des boyaux. Oh non, Galekid, elle a trop bien, pas peur. Il te fait rien, regarde. T'es en acier et t'es en roche. Le truc, les deux trucs les plus durs presque au monde. Il manquerait plus que tu sois en titane, quoi. Enfin, il me baisse mon attaque. En plus, c'est bientôt niveau 15. Ah, voilà. Oui, niveau 15. Merci. Bon, on va en savoir un peu plus sur cette maison des pièges. Ouais, c'est apparemment la sortie, c'est par là. Alors, on va par là. On va prendre le truc qui est là-bas, parce que j'espère que c'est un truc intéressant. Combien il y a de chances pour que ce soit un truc pourri? Mettez dans les commentaires combien de pourcentage vous pensez... Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez que ça va être un truc bien? Une lettre orange. Waouh! Alors pour ceux qui veulent voir ce que c'est, une lettre orange. Ça a l'air vachement bien. Papier, lettre orange, papier zigzagton pour être tenu par un Pokémon. Ouais! Vive la vie! J'ai gagné une lettre que je donnerai jamais à un Pokémon. Parce que les objets, tu les donnes, tu leur donnes surtout des objets qui sont intéressants, qui augmentent leur attaque, ou qui peuvent les soigner, c'est pas grave. Snake écrit le code secret sur la porte, il s'en allait rappeler parce que il a une mémoire, il a pas une mémoire de super poisson rouge justement. Non, non, du tout. La porte s'ouvre. Ah, c'était juste ça? Ok. Ah, tu m'as trouvé, Mutaleg, il m'a fallu toute la nuit pour planter tous ces arbres. Et tu es presque aussi balèze que moi. À 1, 2, 3, 4, 5, 6 endroits près. Excellent, tu as gagné cette récompense. Super bonbon. Il a quel goût? J'aime bien les bonbons au cola ou à la fraise. T'es pas loin de ce sourire d'Arcois, tu vas pas t'imaginer que tu as déjà gagné. Je trouverai de nouveaux pièges pour te coller. Après, tu pourras te moquer. Reviens me voir pour un autre défi passionné. Oh putain, il peut voler! Et ça, c'est la sortie, je suppose. Ok, bah écoutez, la maison des pièges. C'est un monsieur qui enferme des gamins. Parce que, on rappelle que c'était des écolières des gamins dans sa cave, en labyrinthe. Et qui doivent trouver. Qui doivent trouver la sortie. Et pas du tout glauque. Du tout. Attendez, je veux juste rentrer pour voir s'il revient. On peut le refaire. La prochaine fois, j'ai déjà sur le truc, cette ruse aussi, cette pointe. Et si je peux me permettre, ça va être super dur pour moi.
Hein, quoi? Oh, c'est toi. Je suis en train de réfléchir à de nouveaux défis et astuces. Tu pourrais quand même me laisser réfléchir encore un peu. Tu ne me crois pas, c'est la moindre des choses. On va me voir plus tard. Oui, d'accord, oui. Alors, le super bonbon, je crois que ça donne de la vie. Je sais plus si ça vient. Fait progresser un Pokémon d'un niveau. Ah ouais, on peut monter d'un niveau un Pokémon automatiquement. Ah, ça c'est bien, faut les garder ça. Pour les Pokémon que je veux absolument avoir dans mon équipe, que je sais que je vais garder. Oh, un objet. Un muscle plus. C'est vrai que j'ai besoin de muscles. J'ai trouvé des Pokémon sympas aux arbres alentours. Monsieur, qu'est-ce que vous faisiez à attendre quelqu'un dans les autres herbes comme ça? Ah, c'est un gamin, tu vas me dire. Il fait jouer dans les autres herbes, il attaque les gens. Ah. Je sais pas si c'est utile, efficace. S'il était proche et acier, la roche c'est plutôt. Enfin, la plante contre l'acier c'est plutôt efficace, il me semble. Ouh, par contre, au 4, il enchaîne là. Ouh, touché 4 fois, bah oui, évidemment. Bon, on va juste changer de Pokémon pour le finir. Vous pensez que si je mets. Ouais, vas-y, j'ai une idée. Galekid avec attaque, voilà, Galekid contre Galekid. Ouais, non, mais t'inquiète, ça fait rien. C'est surtout le coup de boue qui est efficace. Voilà, super efficace. Allez, dégage. Dinaon va te renvoyer, voulez-vous changer de Pokémon? Non, parce que normalement, l'acier électrique, ça fait rien, on est d'accord. Attends, on va regarder dans mon petit tableau des faiblesses et des trucs Pokémon. Ah, Ninabolt, un Pokémon assez stylé, je trouve. Très mignon. Et son évolution, par contre, un peu moins. Ouais, pas top tip top, je trouve l'évolution. Ah, c'est pas très efficace là-ci. Bon, on va utiliser la roche. Allez! Ah bah voilà, là ça fait plus mal. Ouh, ça vient d'augmenter. Être sympa ne suffit pas pour gagner. Bah ça aide un peu des fois. Il hein. Faut peut-être que j'arrête l'épisode. Attendez, conseil de dresseur, vous pouvez réorganiser l'objet. Oh oui, bah je m'en fous. Ah bah y'a Flora. Bon, on va finir avec Flora. Salut Snake, ça faisait longtemps. En cherchant notre Pokémon, j'ai permis au mien de devenir plus fort. Alors que dirais-tu d'un petit combat? Ah, écoute, allons-y, hein, j'y suis. Faut aller finir cet épisode, mais t'es sur ma route. Ça va faire des vues sur YouTube, ça, Flora et tout ça. Hein. Go Elise, ah bah parfait. J'ai le Pokémon Heal, parfait pour ça. On va faire un petit vol de vie parce qu'il a perdu un peu de vie, le pauvre 4. Oh, ça va, elle a niveau 18. Oh, par contre, elle a des Pokémon assez hauts nouvelles. Oui. Moi, mes autres Pokémon, je les ai pas beaucoup augmentés. Aïe, ça, c'est par contre super efficace. C'est Robby qui décide, c'est pas là. Allez, allez. Non, pas encore cruel. Aïe, aïe, aïe. Attends, on va faire un petit coup d'attaque. Hop là. Ouf. Ah oui, Galifet va être envoyé. Oui, vous changez de Pokémon, oui. Vite, Marill. Allez, hop. Au secours. Surtout pas prendre le type d'acier, par contre le feu contre l'acier, ça je sais que c'est pas ça fait mal. Ça va me faire mal. Oh, elle a réussi à monter niveau son Pokémon comme moi. Pit pistolet à eau. Ouh, je sens que ça. Ouh, y a, ouh, je sens qu'elle va pas. Oh, ça va être chaud, il est au niveau 20 en plus. Pff, super efficace, ça suffit pas. Ouch, ouch, ouch. Est-ce que la roche. La roche contre le feu, ça peut être pas mal. Vas-y, on essaye. Oh non, elle a changé. Oh la saloperie. Ah, ok, d'accord. Bah merde, ça va pas être efficace, ça, Zio. Eh oui, bah voilà. Elle est bien jouée, hein. Elle a perdu, hein. Bah oui, c'est perdu, hein. Ah bah oui, en plus, mes Pokémon sont pas assez au level et lui, il va faire une roulade à l'infini. Eh bah ouais. Elle a bien joué. Bon, je pense que j'ai perdu là. Ça va être direct centre Pokémon. Oui, mais je l'attendais pas sur la route celle-là. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait?
Voilà les mêmes, on prend les mêmes. Il a un niveau de moins, mais écoute. Force nature, ça fait quoi? Mais vas-y, mais arrête de me voler ma vie aussi! Laisse-moi un peu d'espace! Ça fait quoi? Météore, mon dieu. Depuis météore. Enfin, moi aussi, je peux voler la vie. Ah, mon hôtel qu'elle allait changer au dernier moment. Bon, bah, va falloir rechanger aussi, hein. Bon, vas-y, crétin, sert à quelque chose. Tu vas t'es qu'au niveau 11, mais bon, tu feras quelque chose. Je sais pas quoi, mais. Ouais, voilà. Écoute, tu peux y attaquer un peu. Elle n'a pas le temps d'attaquer, le chien. Ok, bon, bah, ça va être une défaite, hein. C'est foutu! C'est foutu, c'est foutu! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Plus c'est un Pokémon combat, je crois, et feu, du coup. Je crois qu'il est que feu là, de ce niveau-là. Je ne sais plus. Ok, bon bah j'ai perdu. Au revoir. On peut pas faire abandonner. C'est pas possible là, elle est trop level. Je vais devoir monter mes Pokémon quoi, ça me fait chier. Vas-y, abandonne, c'est bon, t'as gagné. Oh, c'est quoi, c'est chiant. Ah ouais, bah aussi ça c'est super efficace. Les attaques vol, les attaques feu, les attaques combat. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Oh là là, ça va être compliqué. Ah ouais, vas-y, allez. Ah bah ouais, bah ouais. Putain, je tombe sur elle, sur le cheveu. Ça m'énerve, ça. Comme de par hasard. Putain, comme de par hasard, elle est sur le chemin. Elle a putain de tous ses Pokémon niveau 20. Moi, je suis encore en train de... Ça m'énerve. Ah ouais, en plus, c'est efficace. Le combat efficace contre l'acier. Ah, c'est cool. Bon bah c'est perdu hein. Ah ça m'énerve qu'on peut pas abandonner par contre. C'est bon, elle a gagné. Allez voilà, t'as gagné, c'est bon. Regarde, je fais une attaque, t'as gagné. Voilà, ça c'est fait. Allez, au revoir. Oh, me suis pris nos gros roost là. Bon bah on a compris, ne pas aller là. Putain mais je m'attendais pas qu'elle soit là quoi. En plus bon après tu vas dire on a vu le professeur tout à l'heure qui nous disait qu'il l'a cherché. Mais je pensais pas qu'elle serait là, je suis désolé. Bon bah, ça va être du farming. Pour moi, ça va être montage de level, puisque madame a décidé de tricher. Hein. 3 niveaux de plus, on n'a pas été à gauche pour voir. Ah bah, il y a des dresseurs à gauche, moi, comme ça. Et bah, écoutez, bon, ça aurait été là, je pense pas que ce soit intéressant de regarder ça. Oh, la dame est très jolie par contre. Par contre, elle a un ki autour d'elle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est gratos. Et on se retrouve pour un prochain épisode sur Pokémon Emerald. Salut tout le monde. Je suis en train de choisir un Pokémon, je sais pas qui prendre. Salut tout le monde. Mais portez-vous bien. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je fleuve à présent les pays. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, encore avec espoir. Les Pokémon.